sur la sieste. C'est une chanson qui s'appelle Dimanche. Le langage tout entier de ton corps par ici, ne serait-ce qu'une fois le revoir, mon ami. La justice que l'on voit n'est pas celle que l'on dit. C'est le bordel, je sais bien, mais je sais plus ce que t'en dis. J'ai bien reçu ta lettre et j'ai croisé le facteur. Et je l'ai lu sur le trottoir, j'aurais aimé parler de toi. Mais le facteur n'a plus le temps d'apporter peine et joie. Passons, car comment parler du temps entre toi et moi? La folie des enfants, c'est vouloir faire le monde alors qu'ils l'ont pas vu. La folie des adultes, c'est ne plus vouloir le faire alors qu'eux l'ont vu. Ta petite rentre au collège et elle s'ennuie déjà. Je trouve ça drôle, son aplomb, ses cahiers sous le bras. Je t'écris un dimanche, qu'est-ce que ça change pour toi? Sissi est venu tout à l'heure, le poulet était froid. Il ne sait pas se lever, c'est toujours son malheur. Le travail n'attend pas les paresseux râleurs. J'oubliais que le monde ne fonctionne pas comme ça. Que pour une personne libre, on en enferme trois. Le compte est peut-être pas rond, mais il y a trop d'allers-retours. Tu me disais toi-même que c'est un grand jeu tout ça. C'est absurde pour moi, c'est absurde, je te mens pas. Ce monde caché où le mètre carré appartient aux États. Société parallèle pour le bien de tout le monde. Société au carré de ceux qui sont sûrs qu'ils vont connaître ça. Pour enfermer l'Irlande, pour isoler Gaza. Pour briser tout le quartier, pour donner des emplois. Pour justifier des guerres, pour en recommencer d'autres. Pour qu'Ahmed ne soit plus le cœur du combat. Et j'ai lu l'envolée où témoignent quelques voix. Et j'ai lu George Jackson qui en veut à sa mère de n'être finalement pas assez en colère. Et qu'on puisse encore croire à la responsabilité des mamans dans